Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, je porte un masque et vous savez que depuis iOS 14.5, on peut déverrouiller son iPhone avec un masque. Aujourd'hui, je n'ai pas de montre. Et pourtant, regardez, j'ai mon masque. Je vais pouvoir déverrouiller mon iPhone avec le masque sans problème. Regardez, écoutez. Il est déverrouillé. Pourtant, j'ai le masque. Alors, ceci est une astuce que je vais vous dévoiler. Alors, elle fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas. Mais dans tous les cas, à plus de 90%, j'arrive à déverrouiller. Écoutez. 17h22. Il est déverrouillé. FaceTime. Regardez, ici. Réessayez. Ça peut arriver que ça vous dit ça, mais là vous éteignez. Il faut vraiment que votre iPhone soit au-dessus de votre visage. Il faut que votre iPhone soit à peu près à mi-visage. Ça a marché. Plus de cadenas. Je verrouille. 17h, réessayez. 17h24. Plus de cadenas. Allez, je vous montre comment ça marche les amis, c'est parti. C'est parti. Avant toute chose, donc si vous aimez les nouvelles technologies, les déballages, d'ailleurs il va y en avoir pas mal, j'ai pas mal de choses à vous dire dans les prochains jours, je vais recevoir pas mal de choses, ça va être de la balle. Si vous aimez donc la chaîne Vision Hightech, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, c'est super important pour recevoir les notifications en temps réel. Vous allez donc pouvoir recevoir, être les premiers à recevoir la vidéo. Alors, pour exécuter ce tuto, il va falloir vous rendre dans Réglages et dans Face ID, effacer toute trace de Face ID que vous avez déjà enregistré. Il faut tout effacer. Ok ? C'est parti, on le fait. Alors, pourquoi je vous montre ce petit tuto ? Parce que tout le monde n'a pas une Apple Watch et tout le monde a le droit de déverrouiller son iPhone avec son masque. Allez, c'est parti. Avant d'aller régler dans Face ID, vous allez donc prendre votre masque. Votre masque, vous allez le plier en deux. Le côté bleu comme d'habitude à l'extérieur. Et vous le pliez correctement bien en deux. Il faut bien qu'il soit plié en deux. Ce qui va vous permettre d'avoir une moitié de masque. Alors, ce qui va permettre donc d'avoir une moitié de masque. Une fois cette moitié, vous allez cacher la moitié gauche. Donc, mettre les deux élastiques dans votre oreille gauche. Et vous allez cacher la moitié de votre visage côté gauche. Vous allez faire un premier Face ID. Une fois ceci terminé, vous allez retourner votre masque et cette fois-ci, vous allez mettre les petits élastiques derrière votre oreille droite et vous allez configurer un deuxième Face ID. Et là, vous allez cacher la moitié de votre visage côté droit. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Une fois que vous avez lancé votre Face ID, vous allez sur le petit bouton en bas. Démarrer et c'est parti. On va démarrer en cachant la moitié du visage à droite. Donc comme je vous ai dit, vous laissez dépasser votre nez, vous mettez votre masque à moitié du visage et vous lancez votre Face ID. Démarrer, bouton. Démarrer, placez votre visage dans le cadre. Baissez l'iPhone un peu plus bas. Tête positionnée correctement. Début de la première analyse. Effectué à 62%. Effectué à 75%. Effectué à 100%. Première analyse Face ID terminée. Première analyse Face ID terminée. Continuez. Bouton. On va continuer. Continuez. Votre visage n'est pas visible. Effectué à 12. Effectué à 25. Effectué à 30. Visage obstrué. Essayez de retirer tout élément susceptible de couvrir votre visage. Ça c'est parce que il a vu mon nez. Il voyait pas mon nez. Effectué à 88%. Votre visage n'est pas visible. Bougez lentement la tête pour compléter le cercle. Effectué à 100%. Deuxième analyse Face ID terminée. Ok, bouton. Deuxième analyse Face ID terminée. Bouton. Ok. Avertissement. Réglage. J'ai un message parce que j'ai VoiceOver en marche. Ok, bouton. Je valide. Mon premier Face ID est fait maintenant.
En plus de ça, configurer une seconde apparence. Là, configurer une seconde apparence. Bouton. On va configurer une seconde apparence. Une seconde apparence, ce qui veut dire que maintenant, je pars avec mon masque, masquer le côté gauche de mon visage, toujours en laissant dépasser mon nez. Sinon, ça marche pas. Et je vais faire... Configurer une seconde apparence. Et je fais configurer une seconde apparence. Sélectionner. C'est parti. Démarrer. Bouton. Démarrer. Je cache bien mon visage côté gauche. Je cache bien mon visage côté gauche. Et vous voyez, je tiens avec deux petits doigts pour que le masque puisse tenir. Allez, on est parti. C'est parti. Démarrer. Placez votre visage dans le cadre. Levez l'iPhone un peu plus haut. Baissez l'iPhone un peu plus bas. Alors, je vais le reprendre. Vous voyez, faut vraiment... Je le fais en live, je vous laisserai tout. Tenez l'appareil à environ 25 cm de votre visage. Positionnez correctement. Début de la première analyse. Allez, c'est parti. Effectué à 75%. Penchez la tête vers le haut et vers la droite. Visage obstrué. Essayez de retirer tout élément susceptible de couvrir votre visage. Effectué à 88%. C'est un coup à prendre. Penchez la tête vers le haut et vers la droite. Visage obstrué. Essayez de retirer tout élément susceptible de couvrir votre visage. Effectué à 100%. Continuez. Première analyse. Continuez. Bouton. Continuez. Bouton. Continuez. Deux. Visage obstrué. Essayez de retirer. Effectué à 62%. Effectué à 100%. Deuxième analyse. Terminé. Ok. Bouton. Deuxième analyse terminée. Ok. Face ID a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification. Vous pouvez modifier cela dans les réglages Face ID et code. Ok. Bouton. Fonction fondée sur l'attention. Réglage. Bouton de retour. C'est terminé les amis. Donc normalement. Réglage. Je verrouille. Je vais mettre mon masque. Et oui. Je vais me masquer. Je vais me masquer. Masquez-nous, masquons-nous. Allez les amis, on va voir si ça marche. Et si ça marche, je compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochains jours. D'ailleurs, je vous prépare une grosse surprise. Demain, je vous fais une vidéo sur un stylo qui fait de l'OCR un stylo de fou. Allez, on déverrouille pour voir si ça fonctionne. 17h51. Ça a fonctionné, vous avez entendu. J'ai mis une fois où ça n'a pas fait. Deuxième fois, ça a fait. On refait. 17h50. C'est parti. 17h52. Déverrouillé. Voilà, donc si vous avez aimé cette astuce, testez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi. Et comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez eu le moindre souci, mettez-moi ça en commentaire et on se communique. Bisous à vous tous. À bientôt les amis. Prenez soin de vous et faites attention. Portez votre masque et je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous. 17h52. Déverrouillé. 17h53. Déverrouillé. Gros pouce bleu à vous les amis. À bientôt.